qualités artistiques, techniques, magnifiques. Donc, on pourrait croire, si on n'avait pas vu le concert, que j'exagère un peu, mais je pense que tout le monde peut voir sur la ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis très fier. Vous savez, je suis également très fier parce que on est parti sur ce concert il y a un an, et c'était un pari. C'était un pari, on se demandait même si on va pas être ridicule. On s'était dit à l'époque, bon, dans le pire des cas, on aura fait une buzz. Et en fait, ce concert nous a dépassé. Ce concert nous a dépassé. Déjà, lorsque nous avons lancé ce concert, on a eu l'impression que ça a donné de la force à beaucoup de gens qui avaient envie de se retrouver autour du général dans cette salle. Et moi, je vois la force, les témoignages que ce concert, après avoir eu lieu, donne. Je suis émerveillé, je suis même dépassé. Donc, vraiment, je remercie le général de m'avoir fait confiance. Il a souffert un petit peu aussi. Parce que, je ne peux pas croire, pour être professionnel, il faut souffrir. J'ai souffert. On a fait souffrir les musiciens, les chanteurs. Parce que pour le bonheur, pour le plaisir et pour être au top. Donc, je remercie vraiment tout le monde. Je n'ai pas de plus fort que vraiment un grand merci à tout le monde. Voilà en tout cas pour ce qui s'est passé de mon côté. On reviendra après sur le futur. Mais je laisse la parole à notre charmante Kelly, qui, vous le savez, a émerveillé les dimanches après-midi du Cameroun pendant de longues années. Et nous étions tellement heureux et fiers de l'avoir comme présentatrice à Nice, de Bimster, qui est tout simplement la personne qui gère la plus grande page et la plus suivie sur la musique camerounaise et peut-être même africaine à l'heure actuelle. Donc, dans cette salle, si vous rajoutez les invités, Caresse Mousso, Tala, Richard Mona, il n'y avait que des gens d'extrême qualité, d'extrême compétence, et je suis extrêmement heureux et ravi de tous ces personnes. Vous êtes accompagné sur cet événement magnifique. Merci. Merci beaucoup, Bertrand. Vous avez compris, c'était l'histoire qu'on voit que nous sommes ensemble. Et je suis contente de voir Bertrand aussi ému parce qu'il a organisé beaucoup de centaines d'événements. Et Eric Goff qui est là pour témoigner, il y en a qui n'ont pas fait le même effet. Mais il a quand même l'habitude du succès. Quand il est aussi content, c'est qu'on a dépassé le succès. Donc je pense qu'on peut encore être fier de cela et le remercier pour ce risque qu'il a pris parce que ce n'était pas dit que ça se passe bien. Donc nous sommes en comité restreint complet tout à l'heure parce qu'on ne pouvait pas, on ne voulait pas inviter tout le monde. Il fallait vraiment qu'on souffle un peu et on compte sur vous pour que le message passe. Donc message principal, le général Passe retient à dire merci à son public, d'abord à son public, à ses fans, mais surtout à tous ceux qui se sont mobilisés, je l'ai dit, ceux qui étaient présents, bien sûr, ceux qui n'ont pas pu être là, et ceux qui ont accompagné avec le cœur. That's why we said it was all about love. So we're going to give him the floor now to thank us with his own words, not in the clinic, but in the warehouse, to tell us how he's feeling after this amazing and giant success. Tell us how you feel like. So what's the song? Moi, je ne le sens pas. En fait, je ne le sens pas. On va parler des sensations la semaine prochaine. On est encore là, quoi. Tu vois, ce que je voulais dire à tout le monde, c'est qu'on a fait avec Glasby. J'ai rien fait. On l'a fait avec classe, avec grandeur, avec beauté, panache, peps, amour, tu vois. On a fait bien. Il y a tellement de gens. Tout à l'heure, Bertrand il me disait quelque chose d'extraordinaire. Et je veux vraiment qu'on s'appuie là-dessus. C'est que ce n'était pas la seule date qui était annoncée au Zénith. Celles qui n'ont pas été repoussées ont été carrément annulées. Si la nôtre a été maintenue, ce n'est pas parce que je suis un bon rappeur que je m'appelle Bertrand. Non. La mobilisation était extraordinaire. À jamais. Vous n'aurez pas été là, ça.
Et ils n'ont pas pu amener le concert, s'ils n'ont pas pu repousser le concert, s'ils n'ont pas pu imposer quelque chose, que la mobilisation a été forte. Et elle était très forte. Ça, c'est ce qui arrive quand des journalistes débarquent en retard, ils captivent l'attention de moi, ils parlent, alors que moi, je t'ai vu des belles choses. Il n'y a plus qu'à soi, parce que j'ai dit des choses très importantes. J'ai plus à le dire dans le journal, et quand les gens y entrent, peut-être que vous n'êtes pas en contact avec vous à chaque fois, moi, ça me fait. Génial, parce que moi je ne vends pas des concerts. Je suis quelque chose de beaucoup plus grand. Et on a réussi à faire ces choses, ce truc beaucoup plus grand. Donner de la valeur à notre peuple. Donner de la valeur à notre pays. Nous donner de la valeur à nous-mêmes. Parce que c'était, on avait la classe. Quand les autres ont vu les Français, ceux qui vivent ici, ils ont vu cette mobilisation, quand le peuple français a vu cette mobilisation de cet autre peuple-là, dans cet endroit prestigieux-là, ben ils ont compris que peut-être que ces gens commencent à se penser un peu de là. Peut-être qu'ils ont déjà un peu, peut-être qu'ils pensent déjà qu'ils ne sont pas juste condamnés à aller au bas de l'échelle. C'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas pu annuler le concert. On était là. Et ça, je voulais les remercier pour ça. Fondamentalement, que ce soit tous les Bulgares qui ont travaillé ici, que ce soit tous les Camerounais qui ont travaillé du Cameroun, parce qu'il y a été une milliers de Camerounais sur Internet. Et on ne pourrait pas payer une communication pareille. C'est pas possible. J'ai vu tous les grands chanteurs être vers des chanteurs. Putain, vous allez les tuer, les gars. J'étais là en train de me gratter, les gars, comme ça, en train de dire, j'ai vu des gens, ils boivent tout ça, ils étaient en train de planter, tu vois. Mais une fois, il était au Sénégal, en train de dire, waouh. Parce qu'on réussit ça.
dépassé. On dépasse le local, on dépasse les critères, on passe dans le casque, tout le monde. Et ça, on doit pouvoir le garder. Parce que c'est à ça que ça va venir. La musique ne sert pas à divertir les gens. La musique est un bon pansement pour les gens. C'est un bon pont entre les gens. C'est un bon moyen de repousser les gens à se remettre en question. Parce que c'est le meilleur véhicule vers l'âme des gens. Si vous voulez qu'ils comprennent, parfois il faut mettre la musique. Et on l'a fait tous ensemble. Et je vais vous dire merci pour ça. Et je suis sûr que le peuple camerounais est aussi fier en ce moment. Plein de gens au Cameroun sont fiers et vous disent merci pour ça. Si je peux dire quelque chose d'autre, ce serait extraordinaire. Ce serait blindage, ce serait autre chose. Parce que pour moi, on a pris le train, c'est nous qui faisons la paix, parce que c'est nous qui faisons la guerre. Il est important qu'on comprenne. Nous avons des responsabilités. On le disait dimanche, on le disait samedi, vous ne pouvez pas aimer le Cameroun sans aimer les Camerounais. On ne peut pas ne pas avoir de projet pour le peuple camerounais. Moi, je ne fais pas de la musique pour divertir les gens. Je ne suis pas venu sur terre pour amuser les gens. Ni pour plaire aux gens d'ailleurs. Mais c'est pour être utile, pour servir à quelque chose. D'ailleurs, on a fait cette date aux aînés pour que ça serve à quelque chose, à notre pays, aux gens de notre pays. Il y avait de l'amour, il y avait de la détente. On avait l'impression qu'on a même filtré le poison que les gens allaient recevoir Internet avec ça. Tellement c'était magnifique. Et les gens, ils sont partis de partout. Tous ces gens, ils sont partis de partout. Il y a quelqu'un qui me dit, ouais, le biais, c'était ça en haut. Le mec qui est parti de New York, tu comptes comment le nombre de ça en haut que ça fait. Le mec qui est parti de Belgique, qui est parti du Canada, j'ai même vu un mec qui est parti d'Australie, mon Dieu, je me suis dit, tu es parti il y a un mois. Il ne s'agit pas d'argent à chaque fois. Il ne s'agit pas de numéraire à chaque fois. Je ne veux pas avec les esprits des gens. Je ne veux pas avec l'énergie des gens. Mais la commercialise pas. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Et ce qu'on a fait, c'était quelque chose.